tournoi de Pâques international Michel Fadeuil a réuni ce samedi 48 équipes de football U11 et U13 venues de toute la France. Jusqu'à dimanche, 596 jeunes joueurs ont foulé les terrains des stades Jean Brousse et Mathéo Petit à Arcachon pour défendre leur club. Au terme de ce week-end, c'est l'équipe de Roulet-Saint-Estève qui remporte le match de poule A en U11, tandis que le club AS Monterrain repart avec la victoire en U13. Il y a 24 équipes U11 et 24 équipes U13, comme je l'avais formulé sur le reportage de Gujan. Et donc là, ils sont partis. La première phase donc est finie de poule. Donc les deux premiers de chaque poule vont en Champions League et les deux derniers en Europa League. Donc là, sur le site actuellement, sur 48 équipes, ça représente 596 joueurs. L'édition, c'est la 13e. Alors le chiffre 13, eh bien, nous a porté... quelques petits malheurs sur la préparation, mais bon, qu'on a pu rattraper. Et autrement, pour le moment, ça se passe bien, puisque ce qu'on a la chance par rapport à l'année dernière, c'est qu'il y a un temps magnifique. Voilà, l'année dernière, on avait eu la pluie. Et là, on a un super temps. Les gens sont. Les parents sont décontractés. Voilà. Les Bretons profitent de la buvette. Et voilà. Et les enfants sont avec le sourire. Et c'est ce qui était le plus important.